Alright guys, so first thing first, pour capable et mettez Zendrop sur store, ou capable venir là dans browser ou écrit zendrop.com. Mais là, vous avez une bonne opportunité pour sign up for free. Une bonne opportunité capable sign up for free. Vous avez environ 50 orders gratis. Ou bien capable juste sign in. Sous des guettes créées déjà. Et puis, vous connectez store avec lui. Now, nous avons login. Nous prenons store que nous avons. Pour capable connecter store avec Zendrop, on prend link qui dans backend là, ça qui finit par shopify.com là. Et on pas même besoin qu'être pour partie qui dit app, partie qui dit admin là, et Zendrop a tout coupé partie ça automatiquement. So once you fin fait ça, on vient là, on déposer même link là encore, on prend Zendrop tout couper reste là et puis on cliquer sur connecter. On va venir dans page ça, on va cliquer sur Install App. Et puis, here we go. So, right now, nous retrouvons nous dans backend là, en dans Zendrop. So, si nous tournons là, on allons dans App, on peut là, Zendrop pas apparaître, on pour Fresh Page là. Et puis, mes apps Zendrop apparaissent. Now, pour voyer produit sorti sur Zendrop à des store, vous venez là, dans Find Product, vous capable choisir une trend product ça yo, une hot product yo, que d'après recherche ou connaît cap marché déjà, ou bien sous un produit que vous connaît cap marché et que vous cherchez là, ou pas joindre. Ou capable venir là ou taper non produit. Mal écrit. As you can see here, après yo pas gagné produit ça là, après yo pas gagné produit ça là. Qu'on y a au même ça va faire, ou capable aller sur AliExpress. Si produit que on chercher là, ou pas gagné, ou capable aller sur AliExpress ou derrière. Avant même que nous fait partie ça, à montrer aux gens que on capable prendre n'importe produit et que vous voulez aller sur store. So on doit venir là, let's see que ce produit ça que nous apprend. Pour vous et produire ça à sous store, vous descendre, cliquer sur Add to Import List. And then, ici, right here, et que nous pouvons cliquer là, cliquer Import List, mais produire là. Sur le vin là, vous pouvez noir. Description que vous voulez, ben produire, tant pis, s'il vous plaît, pas mettre description ça. Ok, so mettez en description pour produire là, et then on sélectionne les variants que vous voulez. Tout bas le prix, côté que vous fait bénéfice pour lui, for instance, like $25.87. Et puis, vous choisissez l'image que vous voulez voir, que vous voulez pour paraître sous store, and then vous cliquez sur Import to Store. Vous cliquez sur Import to Store. Now, on va aller dans My Product. Mais tout produit qui est sur store va apparaître là. On va venir là pour voir produit sur store, on va cliquer sur View on Shopify. Mais produit là, so et remember pour faire description normalement, OK? So mes produits là, from that point on, quel que soit order qui fait sous produit ça, il y a tout monté sous Zendrop automatiquement. Quel que soit l'ordre qui fait sous produit ça, il a tout monté sous un drop automatiquement. On va juste venir dans orders ici et que on va jouer l'ordre là. C'est comme ça, ou connecter Zen Drop sous store et que vous voyez produit Zen Drop yo aller sous store. OK? So that is ça c'est partie 1. Et n'après dans next vidéo on va continuer guys.